Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 18 de ma campagne avec les nains et Bélégar. Donc, et bah écoutez, je pense qu'on va attaquer ici ce cher Archaon. Alors, comme c'est un personnage majeur, on va certainement faire la bataille. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, attention, Archaon, c'est pas un rigolo. Il faudra certainement que Thorgrim s'en occupe. Il y a des trolls du chaos, il y a deux géants du chaos, tout ça, ça peut être compliqué. Mais on va gérer le truc. On n'a pas tant d'armes de siège que ça, en fait. Donc, on va voir ça. Donc, on a du tir. Alors. On va emmener tout le monde ici, du coup, puisqu'on a nos renforts qui sont là. Alors, hop. C'est pas à portée pour le moment. Infanterie à lance-flamme. Ouais, ok. Donc, on va faire ça. Thorgrim sera pas loin parce que je veux absolument qu'il mette le paquet. Donc ça, c'est bon. Et ça, c'est mes lance-flammes qui vont se mettre comme ça. Bah d'ailleurs, pour l'instant, on va les mettre comme ça. Ce que je veux, c'est pouvoir identifier les renforts au fur et à mesure qu'ils arriveront. Donc là, pour l'instant, on est déjà en supériorité numérique et nos alliés ne sont pas encore là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont certainement avancer? Bah, c'est pas dit en fait. Donc ici, on a... Est-ce que tout le monde est là? Non, tout le monde n'est pas là. Donc on va se mettre comme ça. Ici... On va mettre nos tireurs. Voilà. Et notre baliste va venir ici. Et dès qu'elle pourra, elle va allumer. Je vais peut-être quand même avancer tout ça. Oui, c'est super bien ça. Bon, c'est pas grave, ça sera comme ça. Ils avancent pas, dites donc. Hein. Donc... C'est parce que j'avais pas verrouillé le groupe, je pense, en fait. Donc on avance un peu ici. Ok, on va pouvoir bientôt tirer. Donc là, il y a de tout. Allez, on allume. It is a reckoning!
Caron est là. Évidemment, ils vont nous allumer aussi. Alors du coup, est-ce qu'on peut faire de la contre-batterie ? Non, on peut pas. Ils sont en train de m'allumer. C'est super bien le lance-flamme. C'est super bien, dites donc. Alors, ici on a Arcaon. Alors là. Donc on va essayer aussi de le noyer sous les troupes. Ici on a nos tireurs qui vont s'occuper de ça. Ok, donc ici on a nos tireurs, donc ce sont eux hein, qui vont shooter là dessus et tout le reste ça va avancer là. Allez où? Allez, tue-le. Grim est pas bien là. Thorgrim va peut-être mourir. Hein. Let the vengeance begin. Ready to strike. Quarrelers, Kazoo, vengeance. Ah, il a échoué lui.
Ça, c'est mon lance-flamme, tiens. On va tirer ici, là. Allez, il faut y retourner. Parce que j'ai bien peur que tu sois le seul à pouvoir le tuer. Allez, lâchez pas là. Allez, tous les tireurs là-dessus. On va essayer d'amocher ça. Oh là 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 là. Allez, 1692 PV. Regardez-moi ça, allez, tuez-le là. Allez, il va mourir. Eh ben, ça aurait été une très belle bataille, ma foi. Aïe, enfin. Alors. On va tuer les élus. Ça lâche pas encore, hein. Oh là là, Thorgrim, 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 qu'est-ce que tu fais, mon petit Thorgrim? Tu vas t'écarter de là, tu vas aller même très très loin, parce qu'il te reste 60 PV et je veux pas que tu disparaisses. Ce ne serait pas mérité. Non, ça va pas le faire. J'ai du mal à comprendre pourquoi le chaos lâche pas là, mais bon, admettons. Eh ben, Archaon doit est mort, j'imagine. Enfin, j'espère. Eh ben, j'en ai eu des morts. Donc, eh ben, je pense qu'effectivement, Archaon est tombé. Donc, ouais, il fait 122 morts à lui tout seul. Une brute épaisse. Ok, ok. 200 morts pour le canon du chaos.
Non, 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 tu restes là, toi. One rug, bring them. Butch, I must fulfill my Slayer oath. Moving. Okay. C'est la fête. C'est la fête. Donc, alors comment ça se passe ici? Alors déjà on va regarder plutôt pour la campagne courte. Et oui, il reste donc des Hordes du Chaos. Ça va pas durer longtemps d'ailleurs s'il reste que ça. Et des Hordes du Chaos. Ok. Bon. Oui, j'ai pas vérifié, mais Archaon est bien. Voilà. Belagar. Donc c'est parfait. Du coup, je pense que j'ai pas mal de personnes qui n'ont plus d'adversaires. Il y a deux armées. Ok, et l'Averland, on va lui demander d'attaquer ici. Ah, ils sont pas en guerre avec les vampires. Dessus. Bon, bah, je pense qu'il va falloir que je demande plutôt à l'Empire d'attaquer les contes vampires, sinon ça le fera pas. Voilà, les Stalys, c'est le cas aussi. Parfait, 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 parfait. Donc Belagar est en route. Burlock aussi, lui il continue à surveiller. Thorgrim a pris cher, mais c'est le héros puisqu'il a réussi. Ok, donc si on résume, non, ce sera bon ici. Ok, bah écoutez, on est vraiment pas loin de la victoire courte. Alors par contre, j'ai effectivement deux armées qui sont là. Donc, pour l'instant, les vampires me gênent, mais bon, ils sont pas dans mes objectifs. Ok, ok, ok. Je vais passer le tour. Je me demande si l'armée du chaos n'a pas été détruite. Donc les contes vampires reviennent chez eux, visiblement. Non, elle est encore là-haut, en fait. Bah écoutez, on va poursuivre. Hein. Donc, un agent ici. Donc ils sont... L'armée, elle est autour de Bechafen. Donc cap au nord, et on va gérer ça. Lui va se remettre, mais lui il va y aller. Donc lui encore 4 tours. Alors ici je peux créer des choses, hein, de toute façon.
genre ça. Et pour ça. Ça, ça. Ok, donc ça c'est bon. Donc lui il va aller espionner au nord. Ok, ok, ok. Alors, montagne noire, on va augmenter ça, même si ça apporte pas grand chose. Alors, quand même, on va le soigner. Donc, l'ordre public est pas bon, donc on va faire au moins l'ordre public. Voilà, c'est pas l'argent qui monte, donc autant gérer le truc. Donc c'est pareil ici. Assiégé, suis-je bête. Donc ici on peut faire quoi? On va faire ça. Ici on va faire ça. Donc effectivement on va aller à la rescousse de Zuvbar. Donc du coup mes alliés, eux, on va les envoyer sur les vampires. L'Empire y est déjà. La Bretonie. Ça, c'est bon. Bah écoutez, je passe le tour. L'Empire s'est déjà déplacé, donc ça c'est sympa. Collègue, où vas-tu mon petit collègue? Reste par là. Ah, j'ai quand même envoyé des armées chez les comtes vampires, parce que sinon ils vont continuer à m'ennuyer. Ok. Il va venir là. Bélégar va monter. Burlock, lui, va descendre, je pense, en fait. Lui va l'aider ici. Thorgrim est en train de se remettre. Voilà, t'es parfait. Donc ici on a plein de montées. Donc ça c'est notre maître des runes. Alors vraiment je sais plus où j'en suis. Ah bah si, il y avait ça qui était très bien. Surtout qu'on va aller dans le territoire certainement. Qu'est-ce qu'on a? Aucun intérêt ici. Allez, on était sur la vitesse. Et alors lui, on était, je ne sais plus.
Pof, pof, bah ça. Allez, zou. Tout ça c'est joué. Burloque a joué. Encore 3 tours. Ok. Allez, je passe le tour. Donc il y a des chances que Zivbar tombe. Hein. Enfin des risques. Plutôt. Collègue, 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 où vas-tu mon petit collègue? Ouais, y a... C'est dommage parce qu'on a raté des passages visiblement sur les armées du chaos qui ont été détruites puisque je n'en vois plus que deux. Enfin, j'ai vu celle d'Archaon qui a été détruite et celle de collègue qui se trouve là, c'est assez étonnant. Ah bah Kolek est tout seul donc on va se mettre ici et on va se mettre en embuscade. Ok, donc ici, ça c'est qui ça? Ah bah les principautés frontalières sont très respectueux des consignes que je leur donne. Ok, tout le monde arrive sur zone, hein, comme vous le remarquez. Deux tours, ça c'est joué, ça c'est joué. Donc on va aller voir là-haut. Allez, je passe au tour. C'est bon. Les troupes de l'Empire entourent les comtes vampires. Donc, il va y avoir des belles batailles, je pense, ici. Ah, 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 ah. Voilà une armée du chaos. Archaon est venu, ah, je le crois pas. Donc effectivement, bah, c'est pas terminé puisqu'il est revenu déjà. Faut détruire toutes les armées et Archaon en même temps et c'est à ce moment-là qu'effectivement il disparaît. Ça c'est les Hardes de Bray, donc il y a au moins deux armées du chaos et une armée des Hardes de Bray. Ben, ce sera donc pas terminé à cet épisode. Ok. Chaîne de montage, on s'en fout un peu de tout ça. On va faire ça. Alors Zuvbar est toujours sous un siège. Donc ici. Donc ici. Non, c'est trop court, hélas. Bon, tant pis. Encore un tour. Donc. Allez, c'est Sigvald et Archaon qui sont de retour. Donc on va rester sur zone.
Alors du coup ici on a quoi? Ah bah oui, les contes vampires évidemment. Et donc, si vous le remarquez, ici c'est revenu à zéro. Effectivement, pour la grande campagne, il faudra vider le livre des rancunes. Et il manque des provinces. Je pense que ce sont celles qui sont, voilà. Ce sont les deux cités naines qui sont vraiment dans les glaces. Ici, tout est bon. Ok. Bah écoutez, du coup, je pense que je ferai pas que la courte, je ferai aussi la longue. Parce que l'objectif est pas... Allez, je passe quand même encore une fois le tour. Et après, je pense qu'on mettra fin à cet épisode. Oula, mais il y a pas mal d'armées du... de l'Empire maintenant. Ils ont repris du poil de la bête, évidemment, avec leur confédération gigantesque. Bah, prenez Zubar, prenez Zubar, j'arrive. Alors, la suite. Non mais... Allez, allez, allez. I stand strong behind the shield of defiance. Allez. Praise Sigma. Ok, au moins deux armées, hein, les armes de Bray. Et ils sont déjà au niveau de Kislev. For the wisdom of Valaya, the High King acts. Bon. Donc, Lord of Clan Borgrim, it's as good as done. Got ready. My vows will be satisfied with this. Karakadrin attacks. To battle. Voilà. On va donc s'occuper de ça. On va attendre un tour. Et on détruira le château de Templehof. Ok. Attack them. Donc ici, on peut y aller. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors, Belégar, il va se mettre en tunnel. Et il va attendre les hordes de Bray. Je pense qu'elles m'attendent en embuscade, donc on va certainement pas accélérer les choses. Bon, et eh ben écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Pas grand chose à dire. Alors ici effectivement ça descend pas mal, donc on va augmenter ça. Ça ici on va le détruire, on va augmenter donc plutôt leur public. Terrarite de l'Ouest, allez savoir pourquoi ça diminue. Corruption, ok. Bon, j'ai pas grand chose qui va me permettre de contrôler ça, donc on va juste bon, dépenser des sous, on peut se le permettre. On va augmenter ça.
ici. On va faire ça. Là, c'est pas bon. Et Elkrond, on va faire ça, ça, et ce sera très bien. Terraride ici. Donc, même chose. Donc, on va faire ça. Ici, on peut pas faire grand chose. Donc, on a de l'argent, donc on va en profiter. Là, il n'y a rien. Là, par contre... Ok, du coup, bah si, on va quand même augmenter l'ordre public et baisser la corruption. C'est ça qu'il faut que je fasse, en fait, tout simplement. Donc ici, eh ben oui, c'est vrai qu'on va se taper une révolte avec tout ça. J'y avais pas pensé, mais en effet... Bon, eh ben écoutez, on la réprimera. Je crois pas que je puisse faire grand chose, de toute façon. Alors, aucune chance, j'aurais dû regarder mieux que ça. Allez, c'est pas grave, on va s'arrêter là pour cet épisode, je vous dis à très vite pour la suite.